parce que je trouve qu'on ne fait pas tout le temps les mêmes choses. Les résidents, en fait, chaque jour, en fait, on les découvre. Un jour, ils veulent pas chanter, l'autre jour, ils vont chanter. Enfin, ils ont certains aspects de leur personnalité, en fait, qu'on découvre au fur et à mesure. Parce que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens qui sont dans le besoin. Bah, aider les personnes, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Les autistes sont des personnes très complexes, enfin, on en découvre tous les jours. C'est ça qui me plaît en fait, c'est que ça ne soit pas tous les jours la même chose. La relation avec les personnes et surtout avec les personnes handicapées. Bah, c'est plus le côté humain qui m'attire chez les personnes handicapées. La crise sanitaire a fait que, au lieu de travailler en 7 heures par jour, on faisait 12 heures. Du coup, on est resté beaucoup plus longtemps avec les résidents. Donc c'est vraiment à ce moment-là en fait que j'ai vraiment découvert comment ils étaient réellement en fait. Ça a beaucoup impacté notre manière de travailler parce qu'on a eu beaucoup moins de contact avec les résidents. Nous, on avait vraiment des protocoles qui étaient très stricts dans le soin. Bah, on s'est adapté en fonction de leur pathologie surtout. Ça a été très compliqué de mettre en place tous les protocoles parce que les résidents ne comprennent pas forcément pourquoi on est limité. Bah, on a dû prendre beaucoup plus de distance. Moi, je suis une personne très tactile, malgré qu'on soit au travail. J'aime avoir du contact avec eux. Même être avec le masque, enfin, le fait qu'ils ne voient pas nos expressions du visage, sourire, tout ça, c'était frustrant. Avec les résidents, en sachant que ce n'est pas une population facile, ils ont des rituels et tout ça. Alors, il a fallu changer complètement notre façon de travailler. On était plus dans l'observation. Il fallait trouver des activités autres que l'extérieur, vu qu'on était confinés, on ne pouvait pas sortir. Oui, il fallait s'organiser autrement. Au début, c'était un peu compliqué peut-être pour certains résidents, vu qu'ils ne voyaient pas nos visages. Les protocoles avant de rentrer pour prendre notre service, à la fin aussi. Mais à part ça, bah, on trouvait ça plus rassurant, on se sentait plus protégé. J'ai eu du mal parce qu'il fallait s'habiller de la tête aux pieds, laver les mains, laver le linge à 60. Tout le linge des résidents, donc j'ai du mal. Franchement, ça a été super bien géré. Il y avait tout le temps des réunions pour expliquer qui avait quoi, comment. Ça a été bien géré, on a bien été prévenus des choses. Ils ne nous ont pas caché la vérité. Géré au sein de l'établissement très très bien. Ils ont mis en place tout un tas de protocoles qu'il a fallu qu'on suive à la lettre. Ce qu'on a fait, on a réussi à protéger la plupart de nos résidents. Bon, ça a été géré très bien, surtout par nos supérieurs. On ne s'est pas senti délaissé. Ils ont été là avec nous. Bah, au début, on appréhende parce que c'est un nouveau virus, on ne connaît pas. Donc ça fait un peu peur. J'avais eu peur aussi de contaminer ma famille aussi à la maison. Donc c'était le plus inquiétude pour moi. C'est un peu compliqué, c'est vrai, parce qu'on pense à nos familles. Donc on ne veut pas emmener le virus à la maison. Après, la structure a mis des choses en place en ayant des masques chirurgicaux, des tenues, des combinaisons. On ne partait pas avec les vêtements avec lesquels on arrivait, ce qui a fait qu'on se sentait rassuré. Enfin, je fais attention, je ne reste pas proche de ma mère, même si on vit ensemble, mais je reste quand même assez dans mon coin. J'ai fait, pendant les 37 jours où on a été confinés, nous, sur notre maison, j'ai fait boulot dodo. Je suis pas sortie plus que ça. Je suis même pas allée faire de courses. C'était un peu compliqué. Moi, j'étais plus chez moi, justement, de peur de contaminer ma mère. Chez moi, ben, ma fille et moi se retrouvaient dans la même pièce. On était en masque, on était masqués. Et on faisait en sorte qu'on ne se retrouve pas trop longtemps dans la même pièce. Mais c'est vrai que c'est très dur de ne pas pouvoir parler à son enfant, de ne pas pouvoir rester dans la même pièce que son enfant. C'était très dur. J'ai voulu me mettre en arrêt à ce moment-là. Et ma fille m'a dit, non maman, si toutes les soignants font comme toi, il n'y aura plus personne dans les hôpitaux pour soigner les gens, alors non. Ce qui arrivera, arrivera. J'ai été travailler et je l'ai eu. J'ai attrapé le Covid et Dieu merci, ma fille ne l'a pas eu. Je vais pouvoir vivre comme avant, quoi, pouvoir avoir nos petits contacts qu'on avait avant, nos petits gestes qu'on avait avant, quoi, puis la vie de famille, pouvoir plus se voir déjà, parce que là, c'est très très compliqué. On vit dans un monde un peu flou, avec beaucoup de choses bien, beaucoup de choses mauvaises qui se passent autour de nous. Beaucoup d'appréhension quand même, parce que beaucoup de choses ne vont pas. Ça va marquer les gens. Je pense qu'on ne sera plus jamais comme avant. Ne serait-ce que faire la queue, coller les gens, c'est des choses qui vont rester en fait. Les distances de sécurité, je pense que ça va rester un moment. J'espère que quand ça va s'arrêter, le monde redeviendra comme avant. Je dirais que déjà vivre le présent et le faire en sorte qu'on soit bien comme on est maintenant, c'est l'essentiel. On verra demain.
les gens vont se voir avec l'inquiétude, parce que même là en ce moment, même si dans les transports, avec les gens, on sent que tout le monde a peur. Et je pense que ça va être dur de revenir à une vie tout à fait normale avant le Covid. Je pense que le meilleur reste à venir, tout simplement.